Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de la télécommande de DJI RC, la dernière version, qui est compatible pas tous les drones, mais certains drones. Donc par exemple le Mavic 3, le Mavic 3 Pro. Je vous mettrai d'ailleurs la fiche technique et le 2S. Je pense, je vais vous confirmer ça tout à l'heure. Alors, la boîte blanche. Spécificité de cette télécommande, c'est vous avez l'écran intégré. Vous n'avez plus besoin d'utiliser votre téléphone pour l'utiliser. Donc c'est un et l'écran est assez grand, donc la qualité de la résolution est pas mal. Donc la boîte blanche, comme d'habitude. Derrière, donc vous avez encore la télécommande. Et c'est tout. Donc on va commencer le déballage. On ouvre proprement. Voilà. Donc ouverture simple. Tac. On y découvre. Donc là, il y a le tag pour la paramétrer, je suppose, à l'application. La télécommande qui n'est pas vraiment pas lourde du tout. Et la petite boîte, je suppose, c'est la boîte où il y a le câble de rechargement en USB type C, je suppose, type C vers type C. Il y a quoi d'autre? Je pense qu'il y a une paire de joysticks. Il y a une paire de joysticks à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est plus la télécommande. Donc, on ouvre le petit papier proprement. Donc, comme je vous ai dit, la télécommande n'est vraiment, franchement, pas lourde du tout. Les boutons, les joysticks, bouton caméra, enregistrement, réglage de la caméra, etc. Ici, il y a une espèce d'aération. Et là, vous avez l'emplacement des joysticks. Donc, on les retire et on vient les fixer. Comme ceci, ici. Simplement, voilà. Alors, hop. Et le deuxième, ici. Donc, voilà. Donc, l'allumage se fait ici. Deux fois. Bon, et là, il n'y aura pas grand-chose parce qu'il faut la paramétrer. Et vous avez l'allumage. Donc je voudrais vous montrer l'ancienne du drone 2S, R2S, voilà, c'est ce que je voulais savoir, R2S. Ce qui est bien aussi sur celle-ci, c'est que les antennes sont intégrées et le maintien, il est top, il n'y a rien à dire. Donc voici, ici, vous avez, je suppose, l'endroit pour par contre l'ouverture pour venir mettre votre carte micro SD et recharger aussi. Vous pouvez recharger plusieurs, je trouve, je pense. Et je crois qu'il y a, je ne sais pas si elle est livrée avec le micro SD. Non, il n'y a pas de micro SD, donc il faudra acheter une micro SD. Là, je pense c'est pour mettre une dragonne pour le vol, pour maintenir bien le vol. Voilà. Et si on prend l'ancienne qui vient avec donc le R2S, on voit la différence. Le poids, elle est plus légère que celle-ci en plus. Donc je vous laisse regarder. Elle a l'antenne ici, donc on est obligé de mettre le téléphone ici, le relier avec le câble qui se trouve juste là. Et voilà. Voilà. Je vous laisse regarder quelques secondes le temps que je vois si j'ai tout dit. Sur la plupart des sites, ils disent que la RC, la nouvelle, ne fonctionne pas sur le drone, le R2S, mais apparemment, si ça fonctionne, je le testerai et je reviendrai vous avec une nouvelle vidéo où vous montrer comment jume la télécommande RC dessus. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais faire une petite dédicace. Ils se reconnaîtront à Marine et à Maxime.
Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Ciao.